Ah ben celle-là, hein. Vous la reconnaissez, celle qui se lève là? Ah oui, celle-ci, je la reconnais, hein? C'est Jeanne Sourza. Oui, c'est ça, oui, d'accord. Oh ben écoutez, moi je ne vais pas vous dire un truc classique parce que ce serait ridicule, non. Écoutez, voilà, moi j'aime bien les animaux. Alors je vais vous dire un petit poème qui s'appelle Le Deux du Dindon. Ah, voilà. C'était un énorme dindon qui ressemblait à un notaire, un replet notaire dont la bonne marge des affaires donnait grand air. Son regard dur était glacé, sans expression et sans faiblesse, et sur son nez se balançait une énorme verrue de graisse. Depuis longtemps, il était seul, et parfois sentait le besoin de lorgner le chemin de l'œuf de la poule noire du voisin. Mais Pato, le chien de la ferme, n'aimait pas ce dos du dindon, et le mordit à l'endroit ferme que l'on appelle le croupion. Après cette tragique farce, à tout jamais défiguré, il fut le dindon de la farce, car à Noël, on l'a mangé. Cette source est impayable avec son dindon.